Eh bien salut les amis, c'est Karmdo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce qui me semble être le 6ème épisode de Pokémon Violet sur Nintendo Switch. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de laisser des commentaires, tout ça. Et je pense que vous avez dû laisser des commentaires dans le dernier épisode pour me dire que j'étais en train de me tromper par rapport à ce que je voulais faire. Et je m'en suis rendu compte en voyant Valou, mon coloc, jouer. Mais donc on va changer de cap en fait, on va pas au bon endroit. Dans tous les cas, likez et on y va. Alors oui, moi ce que je voulais c'est faire d'abord les arènes. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça se trouve, faut peut-être diversifier, j'en sais rien. Mais je voulais faire les arènes en premier. Et en fait le souci c'est que moi j'étais parti pour aller là. Sauf que c'est pas une arène, c'est genre un dominant. Donc c'est pas là qu'il faut que j'aille en fait. Genre les arènes c'est les trucs qui ont un contour rouge. Ah bah y en a pas loin. Et y en a aussi là. Dans tous les cas j'irai peut-être plus vite ici. Qu'est-ce que c'est comme arène? En fait ça dépend. Parce que si c'est pas le... Oupsi. Combat, non? Non, c'est l'inverse. Je regarde la table des types. Insecte, obscurité et fantôme. Quoi? Ah ouais, donc insecte, ténèbres et spectre. Ok. Ça risque d'être un challenge un peu compliqué. Parce qu'en fait, j'ai aucune faiblesse à part Mordudor. Mais Mordudor, son souci, c'est que... Bah, il est pas très fort pour l'instant. Mais comment je vois ses attaques et tout? Par ici? Non, en fait. Ah, étonnement et charge. Ouais, ça va être un peu chelou. Bah écoutez, je peux faire ça, mais alors, mince, comment je fais? Ah oui, ici on place en tête d'équipe, non, Mordudor. Ok, mais donc ouais, il faudrait que je l'XP un peu en fait. Je vais y aller à pied et je vais faire les combats en route. Attendez, mais là il y a l'air d'avoir un... Enfin, ça a l'air d'être compliqué de monter, non? Je sais pas, il y a peut-être une grotte, parce que genre, j'ai pas vu de truc qui permettait d'y aller. Bon par contre, vraiment, m'occuper d'une arène psy maintenant, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie. Elle, on l'a déjà battue, je me souviens, elle voulait nous vendre son disque. Ah ouais, c'est là-bas. Ça a l'air stylé tout ça. Faut juste bien que j'ai des bons dresseurs en route. Enfin, des bons dresseurs. Faut pas qu'ils soient trop forts pour pas me tuer. Mais faut que je gagne de l'XP. Pourquoi y a aucun dresseur là? Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, enfin. Je vais pas perdre. Si, tu vas perdre. Ça dépend ce que t'as. Et ça dépend du niveau aussi. Coucou, je vais te montrer que c'est moi qui ai le plus d'énergie. Sur ce point-là, je vais pas perdre. Que tu as le plus d'énergie. On va voir. Oh, c'était quoi le Pokémon qui était derrière? Timothée le gamin. Il va se battre. Vas-y, Timothée. Alors. Il y a moins un Tritox. Je connais, c'était dans Pokémon Soleil et Lune. D'ailleurs, il y avait que la femelle qui évoluait, je crois. Ah ouais, niveau 13. Bon, bref. Je connais pas son type. Hein. Il est poison, poison quelque chose. Donc, j'en sais rien, j'envoie mon Pokémon le plus fort, je sais pas. En même temps, si je continue d'XP Coifton, enfin Canarbello maintenant, genre, il pourra m'aider quand même dans l'arène, non? Ok, ah il est feu, feu poison peut-être. Ça doit être ça, donc en fait c'est plutôt pas mal. Si j'utilise Vibraqua ou... Je sais pas si j'ai plus d'attaque spé ou d'attaque... Quoi? Oh non. Eh bah, ça tombe bien. Je crois que j'ai même pas d'antidote. Vas-y, vas-y, attaque, attaque. Yes, Vibraqua. One shot le. Oh, nickel. Même sans avoir besoin de coups critiques, c'est bien. Qu'est-ce que t'as d'autre comme Pokémon maintenant? Ah c'est fini. Et vu que j'ai terminé le tour, enfin le combat, genre je perds pas de dégâts de poison, je prends pas de dégâts de poison. C'est bien ça. Parce qu'avant tu prenais quand même les dégâts de fin du tour et tout, plus maintenant. Alors, à mon avis, attendez, est-ce que psy c'est fort contre combat ou est-ce que combat c'est fort contre psy? Je crois que c'est psy qui est fort contre combat, hein. Je crois que ça marche comme ça. Bon, donc là, il n'y a aucun Pokémon qui est très très intéressant dans le chemin. Et j'imagine qu'il va falloir aller dans la grotte pour continuer. J'espère que je ne vais pas tomber. J'espère surtout que je vais te démolir. Ah, tu m'as fait peur. De quoi? Un combat? Pas de soucis. C'est un scientifique. Ah non, c'est un gentleman. Bon, c'est un scientifique mais qui est bien habillé quand même. Norbert, le scientifique. Je le veux, métamorphe. Vous savez pas, mais métamorphe, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Je le trouve trop cool. Je vais l'attaquer. Je vais attendre qu'il fasse morphing et après, voilà, je change de Pokémon. Mais là, il va être de type spectre. J'ai rien contre les spectres. Vas-y, étonnement. Ok, oui, c'est super efficace. Ah ouais. Phobique. Oh non. C'est quoi ce délire? Mais moi, je veux un métamorphe avec imposteur. C'est comme ça que s'appelle le truc. Je sais pas du tout ce qui est efficace contre... contre le type spectre. Je sais que normal, ça fait rien. Combat, ça fait rien. Genre, spectre, psy, ténèbres, ça fait partie des types. Genre, j'arrive jamais à retenir, en fait. Ah, ça me fait mal ou pas ça? Pff, rien. Je vais prendre juste plus de dégâts de poison qu'il m'en aura fait en m'attaquant. Donc, je souffre du poison. Au secours. Vibraqua, toujours. Yes.
Maintenant que j'ai rencontré Métamorph pour la première fois, il va être ajouté à mon Pokédex. Oh, très bien. Et donc, il y a moyen que, genre, je sache où il est pour pouvoir en capturer un plus tard. T'es confus, là, tu peux pas m'attaquer. C'est comme ça que ça marche. Enfin, j'espère. Quoi, charge? Dans tous les cas, il y a rien qui me fait vraiment des dégâts. Hein. Genre, c'est vraiment le poison qui me fait souffrir, en fait. C'est pas le reste, vas-y, vibre à quoi? Yes. Oh, c'est bien, enfin. J'aime trop Métamorph. Valou, il m'a dit que il y avait genre, si on voulait faire le jeu en faisant genre d'abord un objectif, ensuite, enfin genre par exemple d'abord la chasse au trésor, ensuite la Team Star et ensuite les dominants par exemple, genre si on voulait faire comme ça, c'était pas mal parce que comme ça, ça pouvait faire que on fait la quête de la ligue, donc de la chasse au trésor avec une team et après on change complètement notre team pour faire un autre objectif. Puis on rechange de team pour faire l'autre objectif et ça pourrait être cool parce que ça ferait que comme il y a plein de Pokémon avec lesquels j'ai envie de jouer, et ben je pourrais justement modifier genre ben jouer un coup avec une team et jouer un coup avec une autre team. Ouh, ça c'est fort. Ça c'est très fort. Je pense que je vais essayer d'en capturer un. Ouais, vas-y. Si j'y arrive, déjà ils sont level combien ici? 3. Ok, on va peut-être pas essayer de les capturer. Mais je pense que je suis pas au bon endroit en fait. Genre ça va être beaucoup trop fort. Hey, y a Salarsen là. Salarsen, je l'avais kiffé dans Pokémon Épée. Hein. C'était l'un de mes Pokémon préférés de Pokémon Épée. En plus, c'est le seul qui a le type poison électrique. Ah oui, eux, ils sont, les Mediticas, c'est ça, ils sont psy. Attendez, y a pas que ça dans la grotte quand même. Je suis pas venu là que pour ça. Abri. En plus, j'ai déjà plusieurs abris, donc nul. Celle-là, je pourrais pas monter, c'est trop. Bah ouais, comment je vais faire pour aller en haut? Il y a l'air d'avoir un chemin par là. Ouais, 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 c'est ça. J'espère qu'on reçoit bien pas de dégâts de chute. Parce que sinon, ça va faire mal! Par contre, on tombe vraiment lentement. Bon, bah, pff, ok, effectivement, aucun dégât de chute. Et j'espère que c'est bien par là. Parce que, genre, je vais avoir la flemme de revenir. Bon, après, je peux voler, mais bon. Os rare, ah, c'est des trucs qui se vendent et tout. Il va y avoir quoi comme Pokémon ici? Après, je m'en fous, les Pokémon O, j'ai déjà. Il faudra un Pokémon feu un jour. Mais l'équipe que j'ai pour l'instant, d'ailleurs, il y a toujours Ralouf et tout. Je pense que je vais la garder jusqu'à la ligue, peut-être. Je sais pas, je vois pas trop par quoi remplacer, mais comme j'ai dit, je prendrai sûrement une autre team à un moment. Zone sud, numéro 6. Mais où est Alphorneria? Alphorneria. Bah par là, non? Attendez, mais on pourra pas y aller? Peut-être en passant dans une grotte. Ah si, le chemin il passe derrière? J'en sais rien, allez, let's go. Bonjour monsieur. Un randonneur? C'est pas que je suis monsieur, mais disons qu'un combat me changerait les idées. Moi aussi ça m'aiderait bien. Oh mon dieu. Punaise. Ouais, 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 bah de toute façon ça sert à rien. Non, bah je pense que dans tous les cas ça sert absolument à rien que je continue dans ce sens. Genre ça m'a l'air beaucoup trop dur. Je vais aller à l'arène de type O. Et donc si je vais à l'arène de type O, il faut que j'utilise les Pokémon plantes. Et donc toi, c'est toi qu'on va XP maintenant. Et donc on m'a dit aussi qu'il fallait que je trouve, je sais pas si je vais dans le bon sens, mais qu'il fallait que je trouve des ruines. Parce que dans les ruines justement, eh ben, y avait de quoi avoir des pièces. Parce qu'il m'en faut des pièces pour mon Pokémon Spectre. Parce que pour l'instant, il est pas très fort. Il sera sûrement plus après, mais par contre... Je suis pas au bon endroit, faut que je descende en fait. Ah non? Non, je peux continuer par là? Attendez, oh, 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 oh. Ça a l'air quand même d'être de l'autre côté de la montagne. Ah, peut-être que... Ah bah mince, non, pas comme ça. En fait, faut que je revienne à la montagne où il y avait le dominant. C'est par là qu'il faut faire le tour. C'est quoi ça? Ah. Oh. Et d'ailleurs, on peut monter en haut des éoliennes là. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah non, non. Mais la pente, elle est minuscule. Comment ça se fait qu'il soit pas capable de la monter? Vas-y. Ah, par contre, c'est un peu risqué, ça. Hein. Ils auraient pu mettre des barrières. Oh, puis en plus, la caméra va pas assez vite. Et qu'est-ce que je vais trouver là-haut? J'aimerais bien... Ok, bon, bah, j'aurais préféré genre des petites graines. Enfin, pas des graines, genre des... Oh, oh! Ok, non, ça va. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas si mal. Vas-y, on va faire un petit pique-nique. Un bon pique-nique! Oh, un Muculus. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Merci pour tout ça. J'ai toujours pas fait de pique-nique, mais je sais comment on fait. Mais en fait, je sais pas réellement à quoi ça sert en fait. Vas-y, il n'y a pas de mal. Ah, mais si, je vais faire une pause. Enfin, j'ai pas perdu beaucoup de vie, mais vas-y. La map est gigantesque, j'ai quand même l'impression qu'on avance bien vite en fait.
Genre, on aperçoit déjà la ville où faut que j'aille, donc c'est juste qu'il y a quelques combats en route, mais ça va aller, je pense. En plus, ça permet de doser un peu le niveau de ce qu'il va y avoir. Par contre, il y a que des randonneurs partout ici. Et les randonneurs, ils ont littéralement toujours la même coupe, juste ça change de couleur de cheveux. Evoli ! Je n'avais pas encore vu ! D'ailleurs, je sais pas où on les capture. Bon, après, moi, je joue pas trop Evoli. Je sais qu'il y a plein de fans, mais moi, je joue pas trop. Niveau 15, il est niveau normal. Mais par contre, je connais pas du tout les attaques que j'ai, en fait. Ah si, ça fait un beau taux de critique. Yes, regard touchant. C'est mon attaque. Vas-y. Ah ouais, bon. D'accord. Fais un critique, s'il te plaît. Non mais... Il va faire que de retirer mon attaque, le combat va être éternel. Je suis sûr que je vais gagner, mais bon, ça va être combien de milliers d'années? Non mais un taux de critique élevé, ça veut dire que normalement, j'aurais déjà dû faire un critique. J'ai fait deux attaques, mais bon. Ouh, il fait quand même un petit peu mal aussi. Bon, après, il y a le son de Pokémon qu'on voit au loin, donc... Allez, allez. Dommage qu'on puisse toujours pas faire des combats auto dans Pokémon. Enfin, on peut techniquement, mais une fois qu'on est rentré dans un combat, on devrait pouvoir appuyer sur une touche et faire genre automatique et... C'est bon, enfin, ça choisit pour moi, parce que là, je veux dire, il n'y a aucune stratégie, quoi. Enfin, je pourrais changer de Pokémon, essayer de faire un truc, mais bon... J'ai juste envie que ce soit rapide. Et j'espère que c'est son seul Pokémon. Au revoir, Evoli. Alors... Yes. Et ce serait bien qu'il y ait des petites évolutions, parce que là, mon équipe, genre, ça n'évolue pas du tout. Implore, j'aime pas. Je sais plus ce que ça fait, mais je sais que j'aime pas. Je me suis jamais servi. Ok, merci Enguerrand. Très bien. Ralouf, il veut pas évoluer à un moment ? Niveau 15 ! Après, s'il a qu'une seule évolution, pff, ça va peut-être être au niveau 20 et quelques. Non mais, j'ai un seul Pokémon qui a évolué depuis le début de l'aventure. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'ils veulent là-bas ? Pourquoi ils me bloquent ? Attends, non, c'est le téléphone là. Quoi ? En plus, il y avait un Pokémon que je voulais là, qui avait l'air nouveau. Coucou, c'est Cassiopée. Je vois que tu n'es pas loin dans des repères. Oh mais non, mais je veux pas faire ça ! Non, non, vous me laissez pas le choix. Oui, d'accord, je vais pas t'aider maintenant. Merci, nous faisons donc désormais partie d'un seul et même camp, l'opération Stade. Attendez une minute, quoi? Vous avez carré... Mais c'est un étudiant aussi. Cette opération m'intéresse, je peux me joindre à vous les amigos? T'es qui toi? Moi c'est Clove. Depuis quand tu nous espionnes? Eh oh, calmos, pas la peine de te mettre en boule. Je suis un vieux pote à Kerbendo, il n'y a pas à s'inquiéter, pas vrai Kerbendo, mais on se connaît pas. Toi alors, tu essaies encore de me faire marcher? Mais c'est bien normal entre potes. On compte faire face à la Team Star, on n'est pas là pour s'amuser. On ne compte pas faire face à la Team Star. Oui, je sais justement, moi aussi j'ai des comptes à régler avec la Team Star. Et sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que je vous serai utile. Quand je bosse, c'est toujours carré. C'est d'accord, après tout, on sera pas trop de trois, bienvenue dans l'équipe. Je te dis Cimer. Ok, très bien. Tu t'appelles Cassiopée, c'est ça, tu es qui au juste? Elle va pas vouloir répondre. Et je pense que c'est la meuf aux cheveux rouges. Oui, mon nom est bien Cassiopée, avant j'étais... Disons que j'ai un lien avec la Team Star, c'est tout ce que tu as besoin de ça. Boss? Elle était boss? Ok, ça me va. Parfait, je vais maintenant vous expliquer en quoi va consister l'opération Stardust. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour faire simple, nous devons prendre d'assaut chacun des repères de la Team Star. Mais tu m'apprends rien. Nous devons vaincre leur boss et mettre fin à leur règne. Par mettre fin à leur règne, tu veux dire qu'il faut les pousser à quitter leur rôle de boss? Exactement, la Team Star est divisée en 5 groupes, et chaque groupe possède un repère. De là où vous êtes, vous devriez voir l'entrée de l'un d'entre eux. Mais ça ne m'intéresse pas, bon sang! Ah, c'est ça le truc qui était bloqué. C'est ça là-bas? Oui, de l'autre côté se trouve l'un des repères que nous devons infiltrer. Et c'est tout au fond de ce repère que se trouve notre cible, l'un des boss de la Team Star. Ok, je crois que j'ai compris. Les membres de la Team Star sont tenus de suivre un code d'honneur. Un boss n'a pas d'autre choix que d'affronter quiconque vient le défier en combat. Et s'il perd ce combat, il devra renoncer à son titre de boss, c'est le code qui le dicte. Et moi je deviens boss? Tout à l'heure, j'ai envoyé une lettre de défi à chaque repère. Je les ai signées de ton nom, Kerbendo. Interdit. Les boss de la Team Star savent donc que tu vas venir les défier. Et si tu parviens à les vaincre, ils seront obligés de débarrasser le plancher. Sans boss à leur tête, les groupes finiront par se dissoudre, et la Team Star disparaîtra. Mais il y a un souci. Les repères sont immenses et abritent des Pokémon de garde dont le rôle est de repousser tous les intrus. Un dresseur inexpérimenté a peu de chances d'atteindre le trône du boss. C'est pourquoi tes talents sont indispensables à cette opération, Kerbendo. Pour tirer les boss hors de leur tanière, tu dois vaincre les Pokémon de leur repère. Mais avant ça, tu dois t'infiltrer à l'intérieur. Commence par te débarrasser des gardes à l'entrée. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Me regarder? Comme je l'ai déjà dit, j'ai des liens avec la Team Star, ils me connaissent. Je ne peux dès lors pas agir à découvert, je vous en tiendrai donc à distance. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Malheureusement, je ne te fais pas encore totalement confiance. Je vais donc te demander de surveiller les alentours du repère pour le moment et de donner un coup de main à Kerbendo. Ok, c'est normal de rester prudent, je comprends le délire. Je vous recontacterai plus tard pour vous indiquer la suite des opérations, bonne chance. C'est terminé? Parle pas, hein, parle pas. Bon, il est temps de passer à l'action, à toi d'où ai-je, Kerbendo? Monsieur le proviseur, c'est vous? C'est lui? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais en ce qui concerne ma véritable entité, Chapoutus et bouche cousue. Pour le moment, je suis ton bon vieux pote Clove, pas besoin de savoir plus. Et il s'en va.
Merci. Bon, j'espère que le Pokémon est toujours là. Parce que moi, je m'en fous de la Team Star. Ce que je veux, c'est que j'avais vu un Pokémon. Mais attendez, quoi? Mais ça m'a TP, là, en fait. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis où? Sur la map, là. Attendez, parce que là... Mais moi, c'est pas ça que je voulais. J'étais là, exactement. C'est bizarre, hein. Mais non, ça s'est fichu de moi. J'étais là. Et bien sûr, le Pokémon, il est plus là. Sérieux? C'était un oiseau, genre c'est une espèce d'autruche ou je sais pas quoi. Non mais... Je vois un nouveau Pokémon au loin, et le jeu m'empêche d'y aller. Punaise. Mais la ville où je veux aller, c'est celle là-bas, je pense. Donc en fait, je vais descendre. Je regarde juste un peu s'il y a le Pokémon que je voulais. Et je constate que non. Me voilà Jaramka. Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait pas un petit bonhomme pièce là? Parce que j'en ai deux des pièces. Hein. Et je sais, on m'a dit qu'il en fallait 999. Elle a l'air stylée cette ville en plus quand on regarde autour. Je dois sortir de l'eau. Mais quand on... Bah oui, de toute façon c'est la Red Oh, mais quand on regarde autour, quand ça aura chargé, voilà, et bien on dirait qu'on est dans une piscine en fait. Enfin, il n'y a pas des bords sur tous les côtés, mais voilà. Alors, let's go à l'arène. Comment... Si tu veux monter quoi? Parce que l'ascenseur, il a pas l'air d'être là. Là, je me fais écraser par l'ascenseur. Ah non, c'est bon. C'est un petit peu long tout ça. Quand est-ce que mon Pokémon, genre ma monture, elle va pouvoir voler? Puis voir, elle est dans l'eau aussi. Pour l'instant, quand je vais dans l'eau, je me noie en 2 secondes, donc j'avoue que ça va être très très plaisant. Mais oh, comment c'est long! Pour rien en plus. Ok, ça va être quoi? Genre, l'arène ici, quoi? L'axoloto de Paldea? C'est un combat, ça? C'est vrai que les axolotos de Paldea sont venimeux? Moi, j'ai un axoloto bleu d'une autre région, je peux t'échanger contre un de Paldea? Non. Pas maintenant, parce que j'en ai qu'un seul. Mais j'avoue que ça peut être intéressant. Après, on peut pas faire de marqueur sur la map. Et ça, c'est un petit peu nul, parce que vous savez que là... Bah, genre, ça m'intéresse, mais je vais pas le faire maintenant. Donc, je voudrais pouvoir poser un marqueur pour pouvoir le faire plus tard. Mais on peut pas. Donc, faut que je m'en souvienne. Ou alors que je regarde une Solus quand j'y serai. Bah, j'espère que j'ai le niveau pour battre l'arène aussi. Et mon pomme, là, il a toujours pas évolué. Quoi? Oui, ça va me dire, ouais, tu es devant l'arène, blabla. Oh, mais je vais me combattre contre ma rivale. Oh là là, vite, vite, je suis en retard. Quoi? C'est un poissonnier? C'est forcément le dresseur d'arène, hein, mais on dirait que c'est un poissonnier. Monsieur Kambu, attendez s'il vous plaît! Oh, il est déjà parti. Quel étourdi, il a oublié quelque chose. Je dois lui rapporter. Seriez-vous ici pour essayer de relever le défi de l'arène? Oui. Je le savais! Figurez-vous que le grand gaillard que vous avez vu sortir en trombe est notre champion Kambu. Oh bon, étonnant. Il est plutôt du genre impulsif et il a oublié son portefeuille alors qu'il se rendait au marché. Il serait bien embêté sans lui quand il sera arrivé à destination. Puisque vous avez l'air si sympathique, pourriez-vous lui rapporter son portefeuille? Alors moi je veux bien, ça dépend combien il y a d'argent parce que je vais peut-être me barrer avec. Merci beaucoup, vous êtes si gentil que j'ai envie de vous donner le badge tout de suite. Oui. Je vous confie donc son portefeuille, je compte sur vous. Ah, bon, j'ai que le portefeuille pour l'instant. Oh, il est stylé son portefeuille en plus. Exceptionnellement, je validerai votre examen d'arène si vous le rapportez à Kambu. Il s'est dirigé vers Porto Marinada, de l'autre côté du désert situé à l'ouest. Fais bien attention car le désert est peuplé de Pokémon particulièrement féroces. C'est une blague? J'en viens du désert. Aïe. Bon, mais donc en fait, on saura jamais quelle était l'épreuve de cette ville finalement. Parce que genre, on va la skip. Donc là, on est dans la ville ici. Et nous, on sait jamais où est le nord en fait. Mais il est parti où? Genre. Il est parti à l'ouest, donc il est parti là-bas. Mais non. Comment je sais où il est parti? Ah non, il est là. Ok, et on y va comment? On y va par le désert, ok. Je suis sur le centre Pokémon! Ce qui ne sert absolument à rien, mais c'est stylé. Oh! C'est quoi ça? C'est trop stylé! Attendez, alors... Wow! Grave cool! Alors, voyons voir. Ok, ne voyons pas en fait. Comment ça j'ai pas réussi à fuir? C'est parce qu'il est de trop haut niveau? Ah ouais, mais non, mais c'est pas possible ça. Faut déjà que j'aille me soigner, alors que je viens de sortir dans le désert. Ouais, je peux? Ok, merci, ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, déjà, faut que je me soigne. Son auto... Ah, ok, faut d'abord que j'utilise les rappels. J'en ai plus tant que ça, des rappels. Vas-y, oui, et sur... Lui. Très bien. Mais lui, ça va être un Pokémon genre... Terra cristallisé là. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que lui il a le bon type? C'est quoi? C'est du sol lui? Je sais pas trop ce que c'est. Waouh, j'avais jamais vu un Pokémon briller comme ça là, genre dehors. Et voilà, il se Terra cristallisé début en glace. Ah non. Si? Non. Non, en plante. Ok, très bien. Il est stylé lui, mais il est déjà évolué parce que je sais qu'il a une évolution, mais c'est attraper un Pokémon. Ouais, il est impossible d'attraper. Quoi? De faire baisser. Ah d'accord, donc je dois déjà baisser ses PV. Et après, je peux le capturer. Niveau 30.
Surtout qu'il est plante, donc je crois que j'ai pas trop ce qu'il faut. Vol, c'est super efficace en faisant que ça de dégâts. Par contre, là, il va me faire très mal. Oh. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Non, mais à mon niveau, il est imbattable, surtout qu'en plus, il fait que d'augmenter sa défense. Là, ça fait quelques temps qu'il m'a pas attaqué, mais eh ben voilà. Ok, je fuis. Ça sert absolument à rien. Je peux pas monter là. J'étais sûr qu'il y avait un truc en haut, mais non. Il est là! Non, 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 faut d'abord que j'aille soigner mes Pokémon! J'espère qu'il va pas me combattre maintenant. Bah, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il me combatte maintenant quand même. Parce que le combat, ça va être après. Mais il est parti super loin et lui à pied, alors que moi j'avais ma monture. Waouh, regardez-vous comme vous êtes joli! Qui? Moi? Je sais, je sais. Ah, les tempêtes du bord de mer ont beau vous mener la vie dure, vous tenez bon! Oh là là, je crois que j'ai jamais vu de fleurs aussi parfaites que vous! On dirait un peu un perso de Widowmaker. Hé hé! Bon, direction le marché! Non, 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 attends! Mais arrête-le, non? Genre, on n'a pas de bouche, on peut pas dire « Eh oh, j'ai ton portefeuille !» On dirait que non. Il faut que j'aille me soigner, là, c'est essentiel. C'est quoi, ça? Ah! C'est l'évolution de Ralouf! Mince! Je viens de me spoiler! Mais quand est-ce qu'il va évoluer, bon sang? Qu'est-ce que c'est que ce truc trop moche? Vas-y! J'arrive pas à voir ce que c'est, une espèce de micro? D'aspirateur? Je n'arrive toujours pas à voir ce que c'est. Vrombi. Ah oui, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai carrément pas le niveau. Qu'est-ce que c'est comme type acier? Si c'est acier, c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire. Non, c'est pas très efficace, ça va. Vas-y. Ah, j'ai la trouille. D'accord, très bien, c'est nul. Vibra quoi? Me fais pas la trouille encore. Là, il va pas me faire la trouille, mais c'est mon attaque qui baisse, ce qui tombe absolument pas bien. Ah, moi, ma défense. Ok, toi, tu vas me faire trop mal. Allez, vibra quoi? Ok, je pense qu'il est acier, parce que l'eau, ça lui fait rien de spécial. Il a loupé? Yes! Bizarre, hein. Bizarre, ce Pokémon. J'arrive absolument pas à voir ce que c'est, hein, je suis désolé. Une Hyper Ball, parce que niveau 28, je suis pas sûr qu'il va y rester dedans. En plus, il est dans l'orange. J'en ai qu'une Hyper Ball. Hein. Yes! Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Vrombi. Ça va devenir une voiture. Genre, c'est une petite partie de la moto, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Montre acier poison. Son corps correspond à la partie en acier. Il s'accroche à des roches et convertit les minéraux qu'elles contiennent en énergie. Ok, c'est bizarre. Et nous voici dans la ville du marché. Le marché, il est pas si grand que ça, finalement. Eh, on va directement se combattre ici. J'espère qu'ils vont pas me ramener à la ville pour qu'on refasse ça. Par contre, tous mes Pokémon ne sont pas soignés, donc... Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? De ton porte-monnaie, mais je l'ai. Depuis tout à l'heure, on te recherche, mon gars. Mon portefeuille, je l'ai perdu. Si je trouve pas une solution, tous les articles du jour vont me passer sous la barbe. Sniff. Allons, chef, pas d'inquiétude, je pars de ce pas à la recherche de votre portefeuille. Il est là, il est là, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux voir le chef, sache qu'il est occupé là. Qui que tu sois, un conseil ne nous embête pas ou t'auras affaire à moi. Et je te préviens, je suis son meilleur apprenti. À moins que t'aies une raison de nous déranger. Si oui, elle a intérêt à être bonne. Elle est excellente. Je vois que t'es du genre borné comme gamin. Je vais te remettre les idées en place. On va d'abord se combattre contre lui. Ah, c'est marrant, il y a les Pokémon poisson derrière. Marin, le dresseur. Il s'appelle Marin. Ça tombe bien. Il y a Coquillasse dans le jeu. Peut-être. Ouf. Alors, je suis en train de me dire que j'ai pas le niveau. Une fois de plus. C'est bien la deuxième arène du jeu, niveau 28. Mais j'ai absolument aucune chance en fait. Eh, parce que là c'est super efficace, oui. Sauf que tu fais quasiment aucun point de dégâts. Bon, j'ai encore Pomme. Il va pas faire long feu, cela dit. Aïe 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 aïe. Mais attendez, mais niveau 28, mais c'est quoi l'ordre pour faire les arènes? Parce qu'en fait je me retrouve là. Et genre, mes Pokémon je peux les avoir que niveau 25 normalement. Après ils m'écoutent plus. Sauf que là, ils sont plus que niveau 25. Éclair. Ouf. Punaise. Bon, alors, il est paralysé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Rien. En fait, je vais encore me faire mettre KO, mais j'en ai marre de ce jeu. Je comprends pas ce que je dois faire. Je sais pas où je dois aller pour ne pas mourir aussi bêtement. Surtout que là, mes deux Pokémon, qui sont essentiels pour cette arène, ils sont KO. Donc ça veut dire qu'ils vont pas prendre d'XP. Balayette, peut-être, je sais pas. Ouf, et ça fait très mal. Hein. Je dois vous rappeler que vous êtes paralysé. Normalement, vous pouvez peut-être pas attaquer. Non, mais c'est pas possible, ça m'énerve. Et voilà, bien entendu que je suis hors jeu. Donc, je reviens au centre Pokémon où le gars il va me parler. Il va dire ok, peut-être pas. Ah bah non, d'accord. Donc, en fait, il faut vraiment que j'XP. Là, c'est essentiel. J'ai absolument pas le niveau. C'est elle que je veux. Ah oui, parce que en fait. Il faut que je fasse de l'XP, déjà d'ici le prochain épisode. Mais en attendant, il faut que je capture ce Pokémon. Parce que je crois qu'il est super fort.
Enfin, il m'a l'air, en tout cas. Il est trop mignon. Mais c'est quel type... c'est pas très efficace, c'est clair. Type acier. Alors, le problème, c'est qu'il faut pas que je fasse un truc trop efficace non plus. Parce que j'aimerais bien ne pas la tuer. Il faut que je la capture. Vas-y, cabriolène. Mais je pense que je vais pas vers la bonne arène. Mais je pense que c'est possible quand même, en fait. Si son niveau 27, si Pomme, par exemple, il arrivait à évoluer, ce serait pas mal. Cabriolet ne va pas évoluer tout de suite, je crois que c'est niveau 35, donc ça on peut peut-être pas trop y compter. Mais vas-y, Aquajet, je pense que ça fait moins de dégâts. Ok, très bien. Faut juste pas faire un coup critique la prochaine fois. Ah mais tu m'as baissé encore mon attaque, ah bah c'est très bien. Vas-y, et let's go, Aquajet. Ok, alors est-ce que je vais... implore. Ridicule. Vas-y, une Honor Ball. Je vais te capturer dedans, j'en ai qu'une seule. Reste dedans, je t'en supplie. Yes! Ok, c'est bon. Donc oui, alors, pourquoi je veux récupérer ce Pokémon alors que normalement mon équipe est pleine? Parce qu'il faut que j'en retire un, en fait. Il y en a un qui est pas très fort et qui deviendra plus fort après quand je pourrai l'évoluer. Je pense que vous en doutez, c'est juste que je peux pas l'évoluer pour l'instant, en fait. Genre, c'est... Vas-y... C'est Mordudor. Mordudor, je l'aime bien, j'aimerais bien l'évoluer, mais pour l'évoluer, il faut avoir 999 pièces, j'en ai... 3, je crois que j'en ai récupéré une de plus, donc j'en suis très loin, donc bah, Mordudor je le remettrai dans mon équipe, mais pas tout de suite, donc vas-y, je vais mettre Forgeret à la place, et je vais faire de l'XP, parce que là c'est pas possible, c'est clairement infaisable en fait, c'est beaucoup trop dur, donc les amis, nous on va rester là pour cette vidéo de Pokémon violet sur Nintendo Switch, j'espère que ça vous aura plu, on n'aura pas beaucoup avancé, mais bon bref, dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces de compter, de vous abonner, et à demain pour la suite, salut!